Magic Marina TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Dog Show. Magic Marina TV. À la une de ce magazine Magic Actu, le coronavirus, on n'en parlera jamais assez. L'RDC a franchi le cap de plus de 300 personnes contaminées, dont 25 personnes décédées. L'Afrique du Sud reste cependant le pays le plus touché à travers le continent. Cependant, les États-Unis d'Amérique est le premier pays à compter plus de personnes contaminées à travers toute la planète. En République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu l'après-midi d'hier, mardi 21 avril, avec son prédécesseur Joseph Kabila. Il a s'agi entre autres de la situation sécuritaire qui prévaut au Grand Katanga, des incendies, des inondations au sud Kivu, de la situation sanitaire qui prévaut à Kinshasa, dont le corona, le COVID-19, de l'état d'urgence, de la prolongation de l'état d'urgence. Ces quelques points ont fait l'objet de leur rencontre. Il faut retenir également que cette semaine, le président de la République a eu également à s'entretenir avec les femmes, la délégation de femmes de l'Union pour la nation congolaise, partie chère à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui séjourne toujours à la prison centrale de Makala, ça fait jour pour jour, 14 jours aujourd'hui, il devrait y rester pour 15 jours, donc le 15e jour, ce sera demain jeudi, voyons voir qu'est-ce qu'il fera, c'est que ça donnera, mais retenons quand même que ces deux demandes de mise en liberté provisoire ont été tout de suite rejetées. Le ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Justice, le professeur Tunda Yakaseda, a fixé l'opinion en ce sujet. Au Rwanda, il y a une polémique qui fait ravage sur les nets. En ce moment, on parle du décès du président Paul Kagame. Tout de suite, la télévision nationale rwandaise a fixé l'opinion pour dire que le président Kagame n'est pas du tout mort, mais il ne séjourne pas au Rwanda pour cause de la maladie qui se propage, du coronavirus qui se propage à travers le pays. On note qu'il y a eu une scène de liesse dans le sud, dans le Grand Kivu, lorsque cette nouvelle a été propagée. Sujet, ça se passe dans l'est de la RDC à présent, une fausse rumeur sur la mort du président rwandais Paul Kagame, qui a provoqué des scènes de liesse dans plusieurs villes. Hein. Oui, et vous pouvez lire un article qui a été publié tout à l'heure sur le site des Observateurs de France 24, où on nous parle de ces scènes de liesse. Je vais vous montrer aussi quelques photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous voyez des centaines de personnes dans les rues de Goma. Regardez cette image, encore une autre, même cette image assez cocasse d'un camion de la MONUSCO qui a été pris par la foule et le chauffeur a été forcé à faire le tour de la ville pour célébrer cette fausse rumeur. Le président Kagame a dû lui-même démentir cette rumeur, ou la présidence rwandaise a démenti. Alors, d'où est-ce que c'est parti tout ça? Eh bien, c'est assez difficile. Une page internet a circulé en version papier. Vous avez retrouvé l'origine. Voilà, on peut la voir ici. Ça a circulé de main en main dans les rues de Goma aujourd'hui. Et regardez, alors on a du mal à lire. On la voit ici sur une autre vidéo. On voit cette photo vague de Paul Kagame. Et regardez, je vous ai retrouvé le site internet. Necropédia, qui est un site tout simplement de nécrologie de gens encore vivants, la nécrologie de Paul Kagame a été l'article le plus consulté aujourd'hui sur ce site
Necropédia, comme quoi il faut toujours faire très attention à ce qui circule sur Internet. Et à la source, hein, évidemment. Et voilà. On va finir avec une... C'est à partir de ce mercredi 22 avril que le port de masque est désormais obligatoire. Les gestes barrières sont désormais obligatoires. Ça fait exactement 40 jours, jour pour jour, depuis qu'on a décrété la situation, depuis qu'on a détecté le premier cas de COVID-19 à Kinshasa, 40 jours, jour pour jour, 40 jours, exactement 40 jours. Aujourd'hui, donc le pays compte maintenant exactement 334 cas de personnes décédées, 334 cas de personnes atteintes de ce virus, dont un collègue journaliste, Diony Kanina, qui a toute notre compassion. Nous sommes de cœur à avec lui, mais parmi les décès, la RDC compte 25 personnes décédées, parmi lesquelles le chef de la maison civile du chef de l'État, qui en même temps son oncle paternel, en la personne de Monseigneur Gérard Mouloumba, qui est décédé le mercredi dernier, exactement une semaine aujourd'hui, qui a été inhumé dans sa province natale. Donc, les gestes barrières sont désormais obligatoires ici, comme à travers tous les autres pays contaminés. À Kinshasa, l'amende est fixée à 5 000 francs congolais, c'est-à-dire à partir à l'élo mercredi. Ceux qui suivent son masque ou latin masqueté, et Ndiolobake, au futa amende, il y a 5 000 francs congolais. La place au futa amende, il y a 5 000 francs congolais. Poigne au latino karamaskete. Il y a deux gens quand même, au Bebalobaki, Bako Saradeki, Nyabaraki. Les gens qui pensent déjà, il y en a encore de gens qui pensent déjà que Bazoko Sabango. Makambo, Baolobaya, coronavirus, Baoko Sabango. Tout autant, il n'y a pas quelqu'un chez ça. J'ai parlé avec des gens qui sont en Afrique du Sud. J'ai également parlé aussi avec des gens qui sont ici et moi-même qui vis ici. La plupart d'entre nous, n'ayez-vous-en, tous-en-dima, et belé bazon-dima, malade en moté, et belé bazon, tous-en-dima, malade en moté. Pourquoi? Parce que tous-en-mon abateau, bateau bazon koufa, tous-en-mon abamoté. Oyo gâte que vos voisins n'ont koufa ki yo, moi na classe koufa ki yo, cousin koufa ki yo, collègue de travail koufa ki. Batwa au monde, bato bazo koufa et belé en masse, tellement que batwa au monde a bangoté, batwa bazar a fouette qui est malade, et on les a solo. Ils ont vraiment un solo. C'est le même constat, au Congo, à Kinshasa, eh ben, le masque est obligatoire. Il y a même beaucoup de gens sur Facebook qui m'ont écrit, quand j'ai publié ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour dire que, papé, c'est la policier cop. C'est vrai. Il y a quand même de doutes, on ne voit pas des personnes décédées. On ne voit pas des personnes qui sont malades, place bazin interné, bazo filmé, bamboté. Pourquoi? Parce que, quand il y a mouto à Zobela, je pense que les médecins sont mieux placés pour nous expliquer ça. Mouto à Zobela, déjà, situation à ESA privée, ESA confidentielle. On ne peut pas l'exposer. On ne peut pas l'exposer, à moins qu'il y ait Moko Anzima qui aise l'exposer. On ne peut pas l'exposer que Moutoubazo Bela, internet, salut bah témoignage. Je pense que ceux qui solo les quand même na bateau bazo bela ou bah internet bango, salut vidéo, tout moni, moni population, moni, et coco ça quand même confiance. Parce que jusque-là, bazo salaron, la confiance n'y est pas. La confiance n'y est pas. Les gens pensent que. Et Zakarakop Mourouboye, pour atteindre un certain nombre de cas de personnes contaminées, pour OMS et Pesambongo, le quoi déjà que, la Bakodzambo, qui a déjà, elle va perdre déjà confiance à la population depuis un bon bout de temps, confiance à la population, déjà, l'État, déjà, c'est à perdre confiance de la population. Mais le problème est que, plus Ozoko t'a doute, plus Batoazo Koufa, plus ma cas contaminé, ils ont s'est confirmé, ils ont matin de plus en plus. Entre le 10 mars et aujourd'hui, le 21 avril, l'élo le 22,
Ça fait 42 jours depuis que bah annoncé une nouvelle loi, annoncé que le premier cas, ça fait aujourd'hui 42 jours. Mais 42 jours, dans 42 jours, on compte 334 cas de contaminés à Kinshasa, c'est énorme. Vous voyez, même ici aux États-Unis, Place Maramion, Suiza, OK. Place, bon, bah, les grands médecins sont là, les grands spécialistes, tous les grands de tous les grands sont ici. Mais, bah, ça, là, quand même, que geste barrière, c'est devenu obligatoire. Et ça, obligatoire. Moi, par exemple, je ne peux pas sortir de chez moi sans porter mon masque, sans porter les gants. Je ne peux pas. Déjà que tu ne peux pas rentrer dans un supermarché sans porter de masque. Déjà, au supermarché, on te donne des gants, mais le masque, tu dois t'en procurer, sinon tu n'entres pas. Vous avez vu comment on a fait des distanciations sociales, ma distance, déjà, va tracer ma ligne, déjà. C'est pour vous dire que c'est vrai, on a du mal à croire parce qu'on est en train de voir des victimes de cette maladie, bah, mortes, il y a même quelqu'un qui m'a dit, et comme ça, on a la fièvre, parmi qu'on a un coronavirus. Oui, parce que bah, symptômes dans les fièvre. Pourquoi ça appelle la fièvre? On se ça lié à la malaria. Mais bah, on le baccalauréat coronavirus, les gens ont des doutes. Mais pour votre sécurité, pour votre propre sécurité, pour votre survie, pour qu'on t'a doute, pour qu'on piège, on a été qui est comique et lobby et aussi malade au Koufi, ou comique au regretté, ou bien famille regrettée, etc. C'est mieux de faire ce qu'ils nous demandent de faire. Que ça soit vrai ou pas, faisons ce qu'ils nous demandent de faire, ça ne coûte absolument rien. Les gens vont dire que oh, ton amour, il y a masque, ton amour, ta survie, c'est d'abord, avant tout, ta survie est très importante. Sans oser pas caboler le masque, c'est que aux oh, malades. Donc, yomoko katataliputa, même papier, mouchoir. Le corps a dit qu'il y a un masque, il y a un salabi, au Kosa Nango, et j'ai même entendu que Kosa Nango, 3 heures, même papier, mouchoir, comme papier serviette, au Kosa Nango, masque, ou tchè, ben, élastique, pémé, nous agrafé, ben, élastique, pémé, ni, au lati. Un bon bout de temps, ouais, au bout de quelques heures, ou je sais pas moi combien de heures il faut le garder, tu jettes, tu prends un autre, tu portes, tu prends un autre, etc. Bon, ça, papier mouchoir, paquet, papier mouchoir, et ça n'en vaut pas grand-chose. C'est mieux de prévenir que de guérir. Il est très important que, au lieu de faire ça, la policière n'est pas vu qu'elle a fait ça, la policière, cop, au lieu de dire que la policière va à la base, cop, alors qu'on fait ça, mon occasion, on va copter. Là, ta masque n'a aucun tissu, n'a rien pour ton salaire, mon masque, au papier, au cas, ou agrafé, bah, élastique, bébé, au salaire, mon masque. Faisons en sorte que cette maladie ne se propage pas. Parce que, ah, ouais, déjà, place, bah, solution, zoamaka, bah, zo longue maladie, les gens sont en train de mourir, des bah, zo, bah, l'information. Si qu'on kuna na koro, ça sera comment? Bon, puis tu es zaté, bah, qui s'est zaté, prise en charge, ma longue est zaté. Là, le budget qu'on a alloué pour la riposte, c'est déjà pas suffisant, c'est insignifiant. Donc, vraiment, il faut faire très attention. Il faut obibater la caca, propagation salamatée, obibater la batoupée, propagation salamatée et kita. Ma nombre et ma chiffre et ma tressoute, parce que là, l'équipe de riposte est lobby que donc atteindre RDC peut atteindre quitte dans moins de main. Donc faisons en sorte que taux limité, bon limité propagation, là, parce que ça sera catastrophique. Social. Donc ça veut dire que les gens n'entrent plus dans les stores comme ils veulent. Non, c'est pas qu'on entre comme ils veulent, on rentre maintenant, on fait la queue avant d'entrer. Juste pour la distanciation sociale. En fait, les gens ne peuvent plus se coller. Il y a des marques, il y a des lignes on a fait des marques par terre où on détermine les limites. Donc, moi, je ne peux plus me tenir à côté de quelqu'un comme je veux. Donc, il y a des limites. C'est au fait la distanciation sociale. C'est comme ça que ça se passe ici. Donc, on ne se colle plus. Même dans le supermarché, on ne se colle plus. Et on n'a pas le droit d'entrer dans le supermarché. Sans masque, on n'a pas le droit. Tu ne peux pas entrer sans masque, sans gants, tu ne peux pas entrer. Donc, c'est strict maintenant. Voilà, nous avons vu là Joseph Femina, qui était, je dirais, l'invité, parce que parce qu'il voulait par rapport à la situation qui pouvait au pays. Nous savons tous la situation qui pouvait au pays, et ça, COVID-19, et ça, les inondations au
au sud Kivu, à Uvira, nous avons vu, c'est certes, c'est des catastrophes naturelles, mais ça préoccupe quand même, parce qu'après ça, il faut prendre des mesures, oui, tout ça, là, qui est pas zone sabatoire dans la situation beaucoup confortable, et bah, on va perdre ma nafou, on va perdre ma bien, on va perdre ma vie, etc. Donc, il faut s'occuper de ces personnes-là. C'est une situation aussi, ils ont préoccupé, le gouvernement congolais, bah, ils ont parlé de la situation au Katanga, situation sécuritaire au Katanga, prolongation, prolongation et état d'urgence sanitaire. Mais les non-dits sont également là. Ce qui n'est pas dit, oh, bah, MC sauté, oh, bah, sololi. Mais, oh, bah, MC sauté, bah, sololi, et Koukozala, moi, je réfléchis à haute voix, et Koukozala, situation à Kamere, parce que normalement, on avait dit que Kamere restera encore 15 jours en prison à Kamamaki, Babaki Akoutikala, 15 jours, Namakala, après quoi, on verra l'étape suivante, ce qui vous a amené, ce qui a vous a là, jugement, ou bien quoi, 15 jours, ou un psycholo, et Zokuka, lobby jeudi. Alors, il est grand temps, faut en discuter. Comme je disais dans l'émission précédente, c'est vrai que l'émission précédente, où tous les cas, ils étaient vraiment qualité mal amontés, mais les sons étaient quand même là. Moi, je disais dans l'émission, où t'as les cas que Joseph Kabila na Vital Kamerhe, Bakabwana na Mamouti. Ils sont toujours ensemble. Donc, d'après moi, par analyse d'Anna, Constant Anna, je continue à le répéter. Vital Kamerhe et Joseph Kabila, au fait, la rencontre entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, c'est vrai, ma rencontre, wana, et Zarandeni, ce sont des politiques, ce sont des personnes publiques. Ma rencontre, na bango et Zarandeni, il y a le coin de Moutanga qui a la photo. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a Seki. Ça ne veut pas dire qu'il y a Zarandeni Sego. Alors, on peut sa image na. Na photo que Aza happy, mais en réalité Aza est ségoté. Alors ça cheese. Des bons mots rencontrent ma politicien Aza. Des bons mots rencontrent Sami. Ils font la diplomatie. Ça image est bien d'être comme si c'était une rencontre apaisée. Mais à mon avis, rencontre un écho Aza apaisée. Pourquoi? Parce que un, tu sais qu'il a perdu son oncle paternel. C'est vrai, il est officiellement, il est mort de coronavirus. On veut bien croire qu'il est mort de coronavirus. On veut vraiment bien croire qu'il est mort de cela. Mais il faut qu'on bosse un pété aspect manco. Quand le général Kaimbi était mort, général Kaimbi. Général Kaimbi a Koufaki à la veille de son pendaison. Comme avait dit le président de la République, il était mort de pendaison. Donc on retient quand même ça jusqu'à ce que les enquêtes aboutissent. Enquête d'amour, suite d'amour jusque-là, tout est évité. Par enquête à Congo, ils ont toujours sans suite tout est évité. Mais au président, le Bakike, il est mort de pendaison. Mais de l'autre côté, bah, le FCC, bah, le Bakike, bah, qu'on vengeait Moutinabango. Bah, qu'on vengeait Moutinabango. Pourquoi j'en parle? Pourquoi je fais allusion avec la mort de Monseigneur Gérard Moulumba, parce qu'à la veille de cette pendaison, Monseigneur Gérard Moulumba a dit qu'il aurait, je parle au conditionnel, parce que rien n'a été confirmé, il aurait envoyé une équipe pour désarmer le général Kaimbi. Or, logiquement, ils ont l'attribution à Monseigneur Gérard, ils ont l'attribution a été. Poutine a équipé des armées générales, et Zakine attribution a été, donc ça, c'est déjà louche, ça sentait déjà mauvais. Bah, toi, à FCC, bah, mouna qui ont déjà, les a situation, les a vraiment clarté. Bah, mouna est mort, on les a qui clarté, bah, l'oba qui a mort, qui va venger, nous, tout d'abord. Et l'équipe, t'as deux mois, t'es, hein? Et l'équipe, deux mois, t'es. En tout cas, sous les aides, les deux mois. Bah, la générale, on a Koufaki, si l'élo, ce qui est vraiment Zaïk Bélé, battant et l'équipe Bélé, ça lit deux mois après, Monseigneur Gérard Moulumba Akoufi. Bon, Akoufi n'a coronavirus. Et Zalandé, ce qui est au soigné dans le monde. Et puis c'est que yo, Zéla n'a pas beau maillot.
au monde à nous aussi la question dans la salle au mamé tese que gâté et lini kolobanini que mutuana ce qui a koufi peu importe liwana nga koufele là peut-être une autre personne peut profiter de la situation pour basser les mamé ou alors a koufi d'une mort naturelle ou je ne sais de quoi mais ce qui a koufi en premier lieu bah tu vas raisonner maloba ou yo no bagina mutuana maloba oui Aloba qui a roubomaé, à nous aussi la terre roubomaé. Donc, dès qu'il a couffé, et lui, l'obaké, c'est lui qui est derrière sa mort. Donc, et lui, l'obaké, l'élo général, Gérard, pas, Monseigneur Gérard Mouloba couffé, officiellement de coronavirus. Mais le fait que, bah, la kaki, qui va corranger, oh, principal suspect, la mort, il y a Gérard Mouloba, il y a le général Kaïbi. Là, qui Gérard Mouloba, parce que, il y a des moutous, à Tina qui m'a désarmé, général, bah, désormais, général Kaïmi, et puis Lobilango, bah, vous retrouvez qu'il était mort. Donc, là aussi, peut aussi faire l'objet, il y a rencontre d'Amango, peut-être, pour mettre, pour éclaircir la situation. Ce qui est réellement les abongo, pour éclaircir la situation, pour que la, et sa longévité, et sa la cinématébilité. Ça, c'est une réflexion, je réfléchis. Réflexion, analyse, ça peut être vrai, ça peut être faux. Et ça, l'amour, parole d'évangile, ça peut être un monopole et la connaissance. Donc, c'est juste une réflexion. Ou on est cause à la paix, et qu'on cause à la paix, on déjà rencontre dans l'ango, pour bâtir les points sur les i. Ou à Koukaï peut aussi y appeler peut-être pour présenter ma condoléance, comme à présenter ma condoléance, n'est-ce pas, à Kaka, civilité. Autre point qui n'est pas dit dans le reportage, ça peut aussi être la situation de Kaméré. Comme 15 jours et Koukouka, l'obi jeudi, bah, il n'y peut-être pas discuté un mot, comme je disais tout à l'heure, que on a ngaï, Vital Kaméré na nani, bakabwa na mamouti. Peut-être situation Vital Kaméré, comme Vital Kaméré a zot tenir qu'il faut, bah, ça, à Samba, Samba publiquement, jugement dans la public peut-être à redénoncer Batoubélé Baroukoué évidemment Batoubélé Baroukoué parce que déjà attitude il y a Batoué INC bah comme il aura Batoué côté opposition c'est vos zones dans l'intervention dans Bangou bah comme Batoubélé on dirait Bazo appartenir le sous à pouvoir t on dirait bah continuer en opposition on dirait Bazo en a que Eyin Dakaka Ebe Baroué Kouya Eya donc Baroubinza bah c'est crébélé parce que déjà situation il y a détournement on a et sa situation, mon coup, ils ont lié même bateau, il y a équipe gouvernementale, il y a FCC, le gouvernement sortant de Tchibala, ils ont lié même Bango. On a vu l'intervention de Bitakwira. Bitakwira, évidemment, c'est clair. On a déjà, pour l'anglais, il y a déjà que Bitakwira a semble en faveur, il y a Kaméré été. Parce que Bitakwira, était Azaki membre il y a UNC il y a la caméra Makabona Mabé Azaki membre UNC Makabona Mabé parce que Makabona l'indigne va rendre donc peu importe la situation Bitakwira encore ensemble en faveur il y a Vital Kaméré et ça c'est une parenthèse que je referme tout de suite donc je disais que situation à Kaméré 15 jours après donc Wabaki qui va rester 15 jours en prison donc 15 jours et qu'au cas jeudi demain donc il y a le Wabaki soit bon ça va proclamer ce qu'il joue à Kosamba bah pour réunir bah parce que 15 jours et ça qui pour réunir bah dossier bah quand ça va terminer bah réunir bah dossier c'est qu'on peut-être bah proclamer jour on dit dans le samba il y a beaucoup à Senga qui a ça à Senga qui a ça mon audience publique qu'est-ce qu'il va dire est-ce que les têtes vont tomber est-ce que lui-même tu sais qu'il va être impliqué dans la situation est-ce que Camille va être impliqué dans la situation donc il fallait en parler il y a moi là peut-être que ça pouvait aussi donc ça ne peut pas rater Maramba Kaméré ne va pas dire Maramba Kaméré ça ne peut pas rater que Ezala au centre de leur discussion ça ne pouvait pas rater parce que situation Kaméré la cinématique lui-même il est confiant ses adeptes sont confiants c'est vrai que le bac balobi que Kaméré le bac balobaté Bavan Daniel il est confiant à éviter à sortir la tête haute de cette situation donc ça veut dire que Vital Kaméré est prêt à faire tomber de tête, alors il faudrait que
Bateau, Barroso, là, peut-être des principales concernées, des principaux concernés, entre autres Tshisekedi, parce que c'est son chef, c'est son chef direct, parce qu'il demeure jusque-là, le chef, le directeur de cabinet. J'ouvre une petite parenthèse vite fait. Les gens pensent que Bassolo Bakia, est-ce qu'il va démissionner ou il va pas démissionner? Je vous dis tout de suite déjà qu'il va pas démissionner, parce que pour lui, Vital Kamerhe, pour l'UNC, où la logique voudrait que, la logique est que, poste Rana, il y a un directeur de cabinet, Azwa Yamouna Kontia, accord, il y a Nairobi. Donc, nommé directeur de cabinet, Tendet Mao nommé Moutouba Pessi Moussala, mais ça, le coup, la compassion, on a accord, il y a Nairobi, on a des postes, on a. Et l'ingolo, l'élo, s'il se voit dans l'obligation de laisser ce poste-là, s'il laisse ce poste-là, Tshisekedi va nommer quelqu'un d'autre. Non, c'est comme son quota. Et là, le quoi, ministre Naye à l'Ongwe, mais si il y a quota Naye, il y a pour remplacer le ministre Moussous. Ça veut dire que si jamais Vital Kamerhe est contraint de démissionner de ce poste-là, ça restera quand même le quota de l'UNC et il va placer quelqu'un d'autre à sa place. Donc, Félix Tshisekedi n'est pas sorti de l'ornière. Donc, on a voilà que les gens de l'UDFS, ça reste le quota de l'UNC. Ceux qui ont bien démissionné, à raison de tout ça, la place ou voilà, je referme la parenthèse. Donc, rencontre et Tshisekedi na Kabila, ça pouvait aussi, ils pouvaient aussi s'entretenir et 15 jours après, la situation du 15e jour après, ça sera comment? Comment résoudre cette situation? Comment faire en sorte que tout taire situation là, parce que ça risque de faire tomber beaucoup de personnes. Ça risque de faire tomber également lui-même Tshisekedi, parce qu'il sera aussi impliqué directement ou indirectement. Parce qu'il y a des mouta promulga qui, 100 jours, on a bâti, mouta promulga qui n'a pas un discours, on a eu mouta salakamou, engagement, on a eu mouta zoakamou. Bien que Zaki, proposition, Zaki m'a proposition mouta qui, dans un cabinet, n'a eu, parce que le dossier était déjà sur la table de Tshisekedi. Kabila Moutatika qui dossier, on a eu travaux, on a eu une maison préfabriquée, on a constitué qui en 100 jours. Zaki m'a dossier Kabila Tika qui, c'était une proposition du directeur de cabinet, mais c'est le chef de l'État qui emportait les chapeaux pour annoncer ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, il est aussi impliqué. Direct ou indirectement, il est aussi impliqué dans ce dossier-là. Et encore, est-ce que Vital Kamerhe peut faire quelque chose sans que le président de la République soit au courant? Donc, inculpé président de la République. Donc, l'audience publique, tu sais qui est Kamerhe et Azo Senga, ça peut faire tomber beaucoup de têtes. Alors, il était grand temps pour Basolola. Non seulement Batoï, INC, Kabila, Joseph, Tshisekedi, Abeng, Sakiba, Maman, INC, Batoï, Solo, là, il y a Batoï, INC, qui était la délégation qui a été conduite par Aimé Bogi, qui est le secrétaire général AI de l'UNC, à Solo, là, il y a Bango, à Ego, Solo, là, il y a Maman et UNC. Après, il y a beaucoup de choses à Joseph Kabila, à Solo, là, et il y a une situation à Vital Kamerhe, 15 jours, n'aille à la situation là, ça va aussi être en train de préoccuper Tshisekedi. Voilà encore, Sololi, pour le tas d'urgence sanitaire, il y a prolongation d'ango. Ça aussi, je pense que ça doit être écoute, ça la paix. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont. Une remise en cause de la part du président de la République, parce que l'état d'urgence aurait proclamé qui Alexis Tambwe-Mamba a jugé à l'OMAC qui est anticonstitutionnel, mais bon, ils vont quand même fermer les yeux là-dessus, parce que ils ont quand même état, il fallait absolument faire quelque chose, mais ceux qui prolongent ce que ça là, il faut et où d'un congrès. Or,
le président de la République il avait saisi tout de suite la Cour constitutionnelle pour à trancher la situation, et la Cour avait tranché dans cette situation pour dire que non, état d'urgence proclamé par le chef de l'État le 23 mars dernier, et cela qui conforme à la Constitution. Et maintenant que c'était conforme à la Constitution, il fallait qu'elle soit prolongée et Mouroudzi, puisqu'on a déjà dit que la Cour a dit que c'était conforme à la Constitution. Alors, prolongation, la mouzo sengé sous Batouba, t'en as parlé, moi, pourquoi? Ce qui, déjà, va réclamer. Donc, il y a anguille sous roche, il y a un problème. Voilà pourquoi, moi, ça pouvait aussi faire l'objet, et ça, il y a moi, mais ça, qui est obligé, il y a rencontre Namamo pour en parler. Cette anguille sous roche, c'est quoi? C'est Jean-Marc Kabound qui y est à l'OBA, qui y est à défendre, qui bec et ongle cette situation-là, qui est congrès qu'aux Alatés, etc. Et maintenant que le congrès va se tenir, entre guillemets, ça sera le congrès entre guillemets. Pourquoi je dis le congrès entre guillemets? Parce que ça ne sera pas les députés, tous les députés de. Il y a les deux chambres du Parlement, des bacs se réunir en congrès, mais ce sera des bureaux, les bureaux de deux chambres du Parlement. Donc, un mini-congrès qui va se faire. Donc, ça rentre déjà en contradiction, non seulement avec le chef de l'État, mais également avec la Cour, mais aussi, et il y a. Ça va bouffer Jean-Marc Kabound qui avait défendu cette situation bec ongle. D'ailleurs, le député national Jean-Jacques Mamba demande la démission de Jean-Marc Kabound pour la situation. Voilà, donc ça sera compliqué parce que ce que Jean-Marc Kabound a perdu au poste Wana vice-premier président et à l'Assemblée nationale, ce n'est pas sûr que ça sera remplacé par quelqu'un d'autre. N'a eu de peste parce que déjà poste un poste à côté, à côté a eu des pestes, ils a qui faveur moko bien concession moko FCC et ça là qui et peste à poste. Ça veut dire que si jamais Jean-Marc Kabou tombe une épaisse et vous perdre pour et vous perdre place là, et vous perdre contrôle et à bureau et Assemblée nationale. Parce que Jean-Marc Kabound, dans le coin de Tilis, où il y a Mokondi, dans le bureau, tout ce qui se dit, tout ce qui se décide, etc. Jean-Marc Kabound, dans le coin de Mokondi. Alors, si on amène, on pousse Jean-Marc Kabound à la démission, il y a poste Oana, la poste Oana, on n'aura pas à remplacer quelqu'un de l'UDPS. Du coup, l'UDPS, le chef de l'État, va perdre le contrôle du Parlement, de l'Assemblée nationale, déjà qui n'a vraiment pas le contrôle du Sénat. Bachar celui qui était Premier ministre, Sani Badibanga, Sani Badibanga, du côté du bureau du Sénat, mais nous savons tous la relation qu'il y a entre le président de la République, Sani Badibanga, passé tout ce tout voilà, même que le président de la République a Boyaki, Sami Bali Baba Papanaye pendant qu'il était premier ministre dans Bazaï. C'est vrai que l'élo à Tababo ici confiance et ça le quoi ainsi ce qui c'est Katani Ata ou Kani l'isite et Mounanaka. Donc Ata l'élo Babou ici l'isite en Abakani et Mounanaka. Donc Moutou Bakotia Moutema. Peut-être à qui j'ai attiré mes agents dans la cabine pour les aller sur l'Assemblée nationale. Donc, ce qui m'a mis débat pour les agents dans la cabine, il y a que le président de la République, non seulement il va perdre le contrôle de l'Assemblée nationale, déjà qu'il n'a vraiment pas le contrôle puisqu'il n'a pas la majorité au Parlement, mais il va perdre aussi le contrôle du bureau du Parlement. Donc, tout ce qui va se comploter, il sera surpris. Bah, vous voyez là, surpris. Un jour, peut-être, il va se retrouver que à Zad de Chou, ou bien peut-être va destituer d'une manière ou d'une autre. Parce que déjà, de ce côté-là, l'ex-président de la République, Joseph Kabila Azaramaka, parce qu'il agit de manière sournoise, de manière subtile de ce côté-là. Il peut à tout moment surprendre son successeur d'une destitution quelconque. Donc voilà, Ojiwana et Kosala, point de rang, et Kosala paix, point de discussion, parce que Tshisekedi a comme le coup là, a scié, il est mort de lui-même, il est en train de scier la chaise, il était au lieu à s'appuyer. Donc, à
telemina étape mukome azosi yango en même temps azosi yango neni la situation à Cameroun déjà ba toi UNC UNC pour avoir ba komi déjà dans position parce que ba komi déjà pour agir en opposant ba komi déjà suivant ba déclaration na ba ko ba tout ça là on se sentit déjà que ba ça opposition yemoko FCCP azala en opposition sans le dire azan opposition par rapport à Tshisekedi. Et Tshisekedi se retrouve seul, Fayulu, déjà Zakor opposant Naé, les Katumbi et Bemba et consorts, ce sont des opposants qui ne disent pas leur nom. Donc Tshisekedi se retrouve un peu seul, seul. Donc c'est-à-dire lui-même, Azo Sien Zetu et à Telemeli ou à Van Deleli. Donc la situation devient de plus en plus compliquée pour lui. Donc Aza, il est contraint à Beng Sabatouana, à Beng Azosala, Beng Sabatouana, pour faire des mises au point des Aïeba les lendemains, comment se présente son lendemain politique. Voilà, voilà, voilà les quelques points que nous avons pu réserver pour vous ce soir. Mais sinon, si vous avez des commentaires à faire, laissez-nous vos commentaires. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez de la situation qui prévaut au pays, en République démocratique du Congo. Dites-moi ce que vous en pensez de ce mini-congrès qui, finalement, le président de la République s'est retracté à Zongisima pour à Sala. Demande à l'Assemblée nationale, à congrès, à parlement, pour appeler ça autorisation, il y a pour prolonger situation sanitaire au Congo. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci de nous faire confiance, de nous renouveler votre confiance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez l'émission. Suivez-nous sur nos pages Facebook Magique Warwina TV, mais également sur notre page Facebook Le Point. C'est d'ici là, prenez bien soin de vous, observez les gestes barrières, restez chez vous à la maison, restez en bonne santé, faites en sorte que vous restez en bonne santé pour que nous puissions encore nous retrouver dans les prochains jours. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.